La route du Rhum depuis Saint-Malo vous est offerte par le parc Carucoco, RL Location, Tropique Marché et le balisier du quai. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservé en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Carucaraland. Le parc Carucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Carucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Carucaraland, c'est aussi Carucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Les masques de vieux forts représentent ici à Saint-Malo pour cette édition de la Route du Rhum. Avec moi, Nathalie Castelnau, qui est la présidente des masques de vieux forts. Alors, comment ça s'est passé, ce défilé dans les rues de Saint-Malo? Eh bien, pour une première fois, nous répondons à l'invitation de la région. Et c'est la première fois que nous venons. Nous sommes un groupe de 20 aujourd'hui. Et les différents défilés que nous avons eu à faire, notamment ici, là, au pavillon, et aussi nous avons fait des marchés, eh bien, ça s'est très bien passé, un accueil très chaleureux. Nous avons pu prendre le pouls, en fait, d'ici, quoi, parce qu'on ne connaissait pas. Et ça s'est très bien passé. Alors, le chef de communication, heureux aussi d'être à Saint-Malo avec ses masques. Oui, bien sûr, c'est une première. Bon, bien sûr, on s'attendait à une bonne évolution, mais ça va, on ne se plaint pas. Ça a été très bien, c'était une première, mais ça a été très, très super. Vous êtes venu à combien ici, combien de personnes? Alors, nous sommes venus à 20, voilà, donc avec 7 musiciens et 13 danseurs. Voilà. Et comment le public vous a accueilli ici à Saint-Malo? Oh là là, ça a été super bien, on ne s'y attendait pas du tout. Et là, avec la chaleur qu'on les a portés, ça a été encore le pire. Eh bien, au commencement, ils étaient un petit peu ambigus de ne pas comprendre qu'est-ce qu'on jouait. Après, quand ils sont rentrés dans l'ambiance, ça a été le summum complet. Nathalie, deux mots sur l'histoire, l'historique de ces masques de Vieux-Fort. Eh bien, les masques de Vieux-Fort, j'ai envie de dire, ne sont plus à présenter. Mais toutefois, il faut que l'on sache que ce sont les plus anciens masques de Guadeloupe. Et ces masques-là ont trois particularités fortes. Alors, notamment la tenue qui est unique, la musique avec cette fameuse flûte qui nous enchante et qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et aussi la musique, la tenue et la danse. Et la danse surtout. Voilà. Et c'est un peu mystique, la danse elle est un peu désordonnée, comme ils disent, envoûtée, et puis ça permet de mettre tout le monde à l'aise et d'inciter le public à nous accompagner convenablement. Voilà. Alors j'ai à mes côtés Sandro. Sandro, comment les choses se sont déroulées? Eh bien, ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. On n'a eu aucun problème. On a été bien accueillis. Et puis tout s'est bien passé. Voilà. Et c'était une grande première pour les masques de Vieux-Fort? Oui, exactement. C'était une grande première. Et puis, on a bien apprécié. C'était sympa. Oui, ça s'est très bien passé. On était dans les rues et c'est une première pour nous. On a très bien apprécié, les gens se sont bien amusés avec nous et j'espère que l'année prochaine, ils vont encore nous inviter pour pouvoir faire la fête encore avec eux.
Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture, du mercredi au vendredi, de 12h à 15h. Du jeudi au samedi, de 19h à 22h. Plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.